tout le monde, je suis sur une nouvelle vidéo, donc désolée pour la luminosité un peu sombre et tout, mais je filme cette vidéo, il est 20h, du coup il commence à faire, enfin le soleil commence à se coucher, et donc voilà, mais je vais absolument filmer une vidéo, voilà pour demain en fait, parce qu'aujourd'hui on est mardi, bref on s'en fout, donc ça va être un tag, donc j'avais déjà fait... plus ou moins bah, le même tag en fait, plus ou moins. C'est pas tout à fait les mêmes questions, mais il y a des questions qui se rejoignent un peu. Donc c'est en fait tag mon centre équestre. Mais là, la fois passée c'était sur Calling Your Wedding. Et là c'est sur ce hors-ci que j'ai trouvé. Donc on va commencer tout de suite. Tu habites à combien de temps de ton club? Alors à pied, j'irai au moins 30 minutes, 35 minutes. Ouais, un truc comme ça. En sachant que dans mon école, bon, je fais de moins de 20 minutes, mais quand même presque 20 minutes. Et là, il y a peut-être 10 minutes encore ou un quart d'heure. Voilà. Sinon, en voiture, c'est, allez, 5-10 minutes. Un truc comme ça, sauf quand on a le passage niveau. Tu as déjà changé de club? Oui, je pense que dans la vidéo... le tag d'avant, enfin le tag mon centre équestre d'avant, je pense que j'avais déjà dit, donc oui, ça va faire un an, et ça fait un an, voilà, plus ou moins, que je monte ici, mais ça va faire un an que mois de juillet, début août, que je monte tout le temps, mais sinon ça fait un an que je connais, que j'ai monté pour la première fois ici. Si oui, combien de fois? Alors une fois c'était où j'habitais à Bruxelles, enfin j'habitais à Bruxelles mais c'était pas à Bruxelles même. Une deuxième fois c'était où j'étais avant et là bah, où je suis. Donc trois fois. Combien il y a-t-il d'équidés dans ton club? Alors je ne les ai pas vraiment comptés mais il y en a des propriétaires déjà, donc 1, 2, 3... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, peut-être 11 déjà à l'intérieur, je ne sais pas, je ne sais pas compter mais voilà je ne sais plus, sinon à l'extérieur on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 peut-être à l'extérieur, un truc dans le genre. Voilà, je suis pas précise déjà pour ceux qui montent dans le même club que moi que je dis vraiment des bêtises, mais voilà, c'est peut-être plus ou moins ça. Est-ce que les prêts de ton club ont des noms? Je ne sais pas, je pense pas. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'entre eux, ils portent des noms, mais je pense pas. Je ne suis pas sûre. Il faudrait que je demande. Combien y a-t-il de manèges carrière, prêts et box dans ton club? Alors box c'est plus ou moins le même nombre que de chevaux. À part je pense qu'il y en a peut-être deux qui sont vides ou non, je ne sais pas. Ah oui mais Junko, il y a pas de box. Voilà. Voilà. Les prêts, ça je ne sais pas, mais bon, il y en a quand même quelques-uns. Mais ils sont souvent donc, du coup bizarre hein, dedans, mais il y en a quand même. Il n'y en a pas qu'un seul quoi. Il y a bah, une piste. Et donc la tente qui est un peu une annexe on va dire, mais voilà, qui est plus beaucoup, qui fait au moins, ouais elle fait, on sait mettre deux fois la tente dans la piste plus ou moins, en quoi que je ne sais pas, j'ai réfléchi mais ouais, un paddock, voilà on lâche les choux au niveau, et ouais, as-tu déjà pris en demi-pension à des poneys du club? Non, comme je trouve que j'ai pas encore un assez haut niveau on va dire, et même enfin aussi haut niveau pour avoir une demi-pension, il faut m'occuper ben, voilà, et de monter seule, déjà rien que de monter seule, voilà, même si au pire je prends la demi-pension pour monter tout le temps, voilà, donc je pense que j'ai, voilà, si c'est juste pour monter une fois par semaine, voilà, déjà qu'ici ben, je monte presque tout le temps gros. Du coup, bah voilà. y a-t-il des personnes que tu
n'aimes pas dans ton club? Pas vraiment, je les connais pas tous, mais voilà, il y en a, bah, je sympathise plus. Enfin voilà, c'est par exemple Laura, composée de base par là, il y a Fiona, je ne sais pas si tu regardes déjà ma chaîne, je ne sais pas. Il y a Chloé, il y a. Je m'oublie bien. Hein. Bon, il y a Claire qui est dans ma classe. Voilà, il y en a que je connais, enfin que je connais plus et tout ça. Mais voilà, ouais, pas vraiment une personne que j'aime pas. Voilà, peut-être des gens que je parle pas avec. Voilà, parce qu'on n'est pas vraiment amis. Mais voilà, j'ai. Bon, bah, voilà. Si on me demande de rester avec eux, bah, ça va. Voilà. Combien de mono y a-t-il dans ton club? Donc, il y a que Julie, vraiment. Voilà. Je pense pas qu'elle regarde encore mes vidéos. mais il y a que Julie vraiment où elle fait ben, presque tous les cours. Sinon, des fois Isabelle, donc le propriétaire du club. Et des fois, ben, en stage, ça arrive une fois la fille d'Isabelle. Ça m'arrive une fois pendant les vacances. Sinon, des fois, ouais, il y en a qui. Par exemple, si Julie, ben, je sais pas, rentre un peu à l'intérieur ou je sais pas, doit faire quelque chose, ou voilà, ben voilà, ils font pour 5 minutes. Hein. Voilà, ouais, voilà. Bref. Mais sinon, il y en a vraiment qu'une parce qu'on n'est pas vraiment une très grande écurie. C'est un centre équestre, une écurie, un ara ou un poney club, donc c'est des écuries. Quel est le nom du premier poney que tu as monté dans ce club? Chanel. Oui, c'est bien Chanel. C'était en stage. C'est toi ou tes parents qui ont choisi ce centre? Alors en fait, on cherchait parce que j'avais envie de remonter comme j'avais monté où j'étais avant. Et voilà, j'avais envie de continuer. Et donc on a un peu cherché. On a cherché vraiment, essayé de vraiment chercher tout près. Et on est tombé, enfin, sur ça, on a été voir une fois, ils étaient à la Saint-Martin. Et donc, un truc, voilà, enfin, ils étaient à un tour, je pense, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Et après, ben, on est revenu quelques temps après ben, pour m'inscrire pour Pâques, et donc voilà. Aimerais-tu acheter un poney de ton club? Oui. Avant j'avais pensé à Kaline, mais je sais pas. Sinon la vendait bien. Je l'aime bien. Il y a gros aussi, mais je sais qu'en obstacle c'est pas possible. Enfin, voilà. Voilà, j'ai pas vraiment encore de préférence parce que j'en préfère. Par exemple gros, je l'adore en dressage, mais je sais qu'en saut je vais pas le monter au début. Donc voilà. Aimerais-tu changer quelques trucs dans ton club? Si oui, quoi? Je pense que j'avais dit la vidéo précédente. Peut-être qu'il y a la tente qui soit plus grande. Le terrain de cross, ça ne me dérange pas parce qu'on va quand même autre part et voilà, c'est pour ceux qui sont plus expérimentés. Voilà, c'est juste la tente que ça soit plus grande. Peut-être un parking. Mais ça arrive que des fois ils ouvrent un pré, mais est-ce qu'il y a des chevaux là en été qui... Sûrement. Mais voilà, ils ouvrent un petit truc, surtout pour les. Enfin, pour les étriers, c'est logique. Mais voilà. Donc voilà, ce petit take est fini. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.